Salut tout le monde, c'est Brass La Blue Team. J'étais avec Poison Me. Aujourd'hui, ça va être ma caméraman parce que je suis nul à chier pour setup un trépied. Puis c'est comme ça, c'est pas grave. Bienvenue sur la compte Blue Team Gaming. Oubliez pas de follow la chaîne si vous êtes nouveau. Sinon, je vais avoir un link dans la description pour la compte de ma soeur. Parce que oui, Poison Me, c'est ma soeur. Aujourd'hui, on a eu la gratitude de Papa Brass d'avoir eu le cadeau. Merde. Unboxing du PS VR. Vous pouvez ouvrir la pochette avec n'importe quel couteau à la main. La dernière fois, j'avais fait ça avec une clé. Très important de se faire du vent, parce que dans des situations comme ça, on hyperventile. Oh, la technique du Master ici, il n'y a rien, juste une belle boîte de... Une belle boîte de vent, une vol au vent, le plastique, très important, laissez le mettre à l'entour du cou. On a une belle petite boîte avec un fil, une boîte rétrogractif, un bon... bon manuel qui va vous expliquer les items que vous venez juste d'acheter et puis comment tout plugger ça. Perdez pas le livre, je pense pas que vous allez le perdre comme un gros pied. Donc ça en vient à trois boîtes. Dans la première boîte, on a un fil, un power qui se plug dans le mur et puis sûrement dedans le reste du kit qu'on va sortir ici. Les boîtes ont tout le temps eu avantage sur moi. J'ai perdu beaucoup de guerre contre les boîtes. Donc ici, on a le manuel d'instruction. On n'a pas besoin de ça. D'autres fils. Micro USB à USB. Une power bar. Des écouteurs. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les écouteurs qu'ils vous donnent. Vous pouvez utiliser n'importe quel paire d'écouteurs avec un jack normal. Et puis ici... on a la machine. Ça, dans le fond, c'est qu'est-ce qui vous permet de runner le VR. Ça a même sa propre petite fan. On peut comparer ça quasiment à un mini PlayStation 4. La même genre de forme. Ça vient avec un démo disque avec 8 jeux. 8, ouais? Ça me rappelle le bon vieux temps qui donnait des démos quand t'achetais une console. Un petit chiffon pour nettoyer les lenses. Donc ici on a un fil HDMI. Un autre fil HDMI qui va se plugger dans le power supply. Oh! Ça se recharge comme un gun, mesdames et messieurs. Oh! Et voilà! Le bijou tant attendu, il n'y a plus rien là-dedans. Un autre paire de fils. Oh, celle-là est liée après. Donc déjà à une main, là, je peux sentir que très léger. Du genre de petit plastique rubber. Très doux. Marqué Sony en haut, lens, a de l'air très bien placé, avec une petite place pour son nez. C'est vraiment, avec la comparaison du Oculus, je vous dirais que celui-là, il a de l'air un petit peu plus lourd, mais c'est vrai qu'il est fait plus plastique aussi, donc c'est peut-être ça qui prend, à cause de ça, qui prend la lourdeur. Je sais pas c'est quoi ça ici. Donc c'est pour ajuster le casque quand vous allez le mettre à votre tête, vous pouvez le retirer et puis le revenir. Ici on peut voir que ça revient avec des springs. Donc c'est de quoi qu'il faut qu'on arrête de peser pour bloquer. Non? Donc votre tête va fitter là, c'est sûr et certain, vous n'avez pas besoin d'avoir peur avec ça. Ça vient avec un petit controller après le fil. Qu'est-ce qu'on a ici? Bloquer le micro, power on, volume en bas en haut. Et puis aux deux autres extrémités, il va y avoir...
Ça m'a tout l'air d'être deux HMV, HDMI port, excusez. Donc on a beaucoup de cordes, démo, manuel. Donc c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir installer à la légère, il va falloir vraiment qu'on regarde les manuels d'inscription, d'installation, excusez. Ça doit avoir 2-3 boutons, un speaker intégré. Ça c'est assez le fun pour si vous voulez jouer pas d'écouteurs, c'est quand même proche de vous on dirait. Donc là je vais l'essayer, on monte la caméra vers moi. Je vais enlever mon collier Epic qui me gardait béni. Donc j'ai sûrement l'air d'un cyborg. Mais ouais, je peux vous dire que c'est assez léger, un peu lourd, bien stable. Je peux bouger. On voit rien du tout, pas en bas, pas ses côtés. Mini trappe de ventilation, je pense. Puis tout ça, c'est du plastique. Donc ça va super bien, c'est facile à enlever. Et puis le mettre, ajuster à votre tête. Ouais, ça m'a tout l'air... d'être tout en ordre, assez beau, beaucoup de boîtes, des grosses boîtes pour des petits fils, mais on va se faire un plaisir de tout plugger ça, puis vous donner des vidéos de footage bientôt, de qu'est-ce que ça a de l'air, une comparaison avec le Oculus Rift et puis le nouveau PS VR. Donc, Donc j'avais oublié de vous parler de la caméra du PlayStation qui vient séparément. Il faut acheter une plus grosse version pour avoir les nunchucks et puis la caméra. Moi personnellement, on les avait déjà à la maison, donc pas besoin d'acheter rien. Et puis il faut la caméra pour que ça fonctionne. Puis les nunchucks, ils sont, vous n'avez pas besoin de les avoir pour jouer. Vous pouvez jouer avec une manette normale, mais c'est toujours le fun d'avoir sa main, pouvoir contrôler sa main en dans un monde virtuel. Fait que sur ça, c'était... Braz de la Blue Team, puis Poison Ivy de Let Us Be. Peace out. Attention à vous autres, puis merci pour avoir regardé. N'oubliez pas de subscribe puis follow la chaîne pour avoir plus d'informations, plus d'unboxing. C'était le deuxième que je faisais de mon channel. Merci tout le monde. Braz, sign out. Blue Team.